Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Broken Age. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon sang, j'espère que ce n'était pas un véritable oiseau. Hi. Coucou, coucou. Alors, comment est la vue là-haut? Aucune idée. Tout ce que je vois, c'est la déception sur le visage de ma mère. J'ai vraiment ta tenue. J'aime. Ouais, moi aussi, mais apparemment, ce n'était pas suffisant. En plus de ça, les chaussures étaient trop petites. T'as dit quelque chose par rapport aux chaussures? Oui, pourquoi? Il t'en faut? Prends-les, je n'en ai pas besoin. Je vais rester assise ici pour toujours. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis une offrande pour le banquet des demoiselles. Tu n'as pas deviné? Mon Dieu, c'est pire ce que je pensais. C'est un peu minable comme apparence pour le banquet des demoiselles. Hey, c'est à ça que je ressemble. Je ne peux rien. Non, je parlais des caches fracassées et des plumes. Ah, ça, en fait, c'est parce que le banquet est fini. Besoin d'aide pour tout nettoyer? Pourquoi s'embêter? Eh bien, c'est un vrai bazar ici. Tout comme moi, c'est pour ça que j'aime bien ça. Si le banquet est fini, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu t'acharnes, hein? Je suis encore ici parce qu'on ne m'a pas choisi, d'accord? Pas le bon côté, tu n'es pas fait manger par un monstre. J'aurais préféré ça, devoir aller affronter ma famille. Ben, je me fais des films, la honte les a probablement déjà fait sauter de nuages. J'ai déjà été dans un banquet des demoiselles aussi aujourd'hui, pour être plus précise. Ah vraiment? Tu n'as pas été choisi non plus? En fait, j'étais choisi, mais je me suis débattu et j'ai réussi à m'échapper. Tu quoi? Je me suis simplement dit pourquoi ne pas combattre le monstre du... Tu comprends? Ouais, tu n'as pas été choisi, c'est pas grave. Prends une balançoire et morfond-toi avec moi, ma sœur. Salut, Zéo. Bon, je pense qu'il est temps d'aller combattre ce monstre. Tu es simplement en colère parce que tu n'as pas été choisi. J'étais comme ça aussi hier. Eh bien, je vais devoir te laisser. Tout comme Mock Chuck, je suis habitué. J'espère que tu vas bien, Zéo. Elle est bonne. Bon, je pense qu'il est temps d'aller combattre ce monstre. Tu es simplement en colère parce que tu n'as pas été choisi. Bon. How's it hanging? Good one. Well, I don't like the way that. Je n'aime pas la façon dont celui-ci s'est. Peut-être qu'une paire de chaussures confortables te remonterait moral. J'en ai pas besoin, j'en ai nulle part où aller. Ça va tranquille, merci. J'ai commencé ce jeu-là hier et je le continue aujourd'hui. C'est ma deuxième fois. Pourquoi ça fonctionne pas? À moins que je les mette sur moi. Ah, bon. Bon, là, je cale plus. Là. Je vais pouvoir aller chercher le fond nord. Pose son offrande dans le bol d'illumination. Il est pesant, cet œuf. Heureusement que j'ai des chaussures. Bon, là, je peux avancer. Avant ça, je tombais en bas. You
Vous devez voir mon gros œuf. Désolé de briser tes illusions, mais ce n'est pas un véritable œuf. Oui, on s'en sert pour tromper les vieux oiseaux. Je le savais. Je ne pense pas que ça va le tromper. Il est une mère après tout. Ouais, pour l'instant. Ah, oh, je peux aller par là, j'ai pas été par là. Oh, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Ah, c'est vrai, quand j'essayais de monter là, je pouvais pas à cause du... Il est tannant, lui. Pas touche, les crochets sont une importante mesure de sécurité. J'avais déjà été là. Pfiou, voilà qu'il n'est pas gentil. Ça s'enfonce, moi. Méchant oiseau, c'est de ta faute. Bon. Salut, toi. Il n'a pas l'air d'être à Jesse. Autant les laisser là. Those don't look like Jesse. What do you birds do for fun around here? Are you a friend of Jesse's? Tu aimes avec Jesse? Hi, birdie. Coucou, l'oiseau. What do you birds do for fun around here? Non. On va parler à elle à nouveau. Hi. So what's new out here? Alors, quoi de neuf dans le coin? Est-ce que tu te moques de moi? Quel genre d'oiseau pense ces genre ces œufs en or? Ces trucs sont des œufs de substitution. Nous les faisons pour les vieilles mouettes saignées lorsqu'elles oublient. Ouais, ça m'a déjà tout dit ça. J'ai trouvé un œuf en or. Attention, où tu mets ça? C'est un truc qui sent très lourd. Like Jesse's. Better leave. Want to give me a lift? No? Bon. Allons parler à elle, voir. Well, I'll let you get back to your work. Watch your step. Oh man, this thing is heavy. Good thing I have these. She's already carrying enough. Laisse-moi emporter. Well, I'll let you get back to your work. Je peux-tu m'envoler une plume? Ooh, joli! Attends, il y a peut-être des pièces d'oiseaux dessus. Erk. On peut penser que l'endroit est idéal ou... En tout cas, non. Ah ouais, Sniper Elite 5! J'ai jamais joué à aucun de ces jeux. Pose ton offrande dans le bol d'illumination. Attention avec ça, ce truc est lourd. Bonjour père. Non, j'imagine qu'il n'y a pas grandes échelles comme celle-ci pour descendre. Et dans la nouvelle, la majorité de celles vont à deux sens. I'll let you get back to work. Go in lightness, my friend. Ah, il descend, tu bats? Ah, je peux même monter. A light offering. Harmony will be pleased.
On va aller voir l'autre de nouveau. Ouais, je suis pas certain que c'est un jeu qui m'intéresserait, c'est pour ça. Même si je joue un peu de tout, là, mais... Pourquoi êtes-vous aussi haut perché? Je suis aussi haut pour Féticiel. Le Féticiel est là pour la forêt en dessous. Pour montrer que nous sommes tous égaux. Je ne comprends pas. Cela aurait plus de sens après quelques semaines de méditation, mon enfant. Une idée, où est passé l'œuf de Jesse? Perdre certaines choses est une étape naturelle sur le chemin de l'élimination. Cela fait partie de notre culture ici à Festisipra. C'est dans notre racine. Il n'y a aucune crainte. Merci pour l'aide. À plus tard. Oh! Tu veux de prendre ce que tu veux. I cannot handle the donations directly. Please use the bowls. Thanks for the help. See you later. OK, dès que je finis de parler, c'est fini. OK. You feel lighter already? Whoa, careful there. That thing's heavy. Ça change rien. See you later. Bon, on descend. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Léo? Ah! Il est tombé, lui, finalement. Salut Vera, ça te gêne de me déposer à la salle de jeu? Bon. Excellent. Je pourrais aller chercher l'œuf, il est plus là. Oh, c'est quoi ça? C'est l'œuf de Jesse, mieux vous lui ramener. Bon. Le problème, c'est que je suis pas sûr c'est qui Jesse. Tu te reposes avec moi, c'est bien ça. Ah, il y a un œuf. C'est vide. This big old heavy egg won't do any good there. I don't want to do anything with this. La seule chose que je vais faire avec ça, c'est la porter à Jesse. Ok. Je vais même vérifier une chose avant. Ah oh, bah ben attends. Il va-tu sauter en bas direct? Je vais vérifier quelque chose rapidement. Est-ce que je peux aller vers le bas? Merci mon ami. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu m'accompagnes là-dedans.
Bon. C'est pour vérifier, mais... Merci. Au moins, j'ai réussi à conserver ma possession ce coup-ci. Excellent. Bon. Ça ressemble à la fontaine, mais c'est plat. Ça, j'ai déjà lu ça. Non. Bon. C'est peut-être elle. Hi. Coucou. So what's new out here? Are you quoi de neuf dans le coin? Est-ce que tu te moques de moi? Bon. Well, I'll leave you alone. Okay. It's not for climbing egg, it's Jessie's egg. Better get this back to her. I don't want to do anything with this except c'est get qui, it back Jessie? To Jessie. It's not for, it's extendable. Oh. Ah, c'est le couteau qui était là-dedans, c'est vrai. On dirait une BD en jeu, j'avoue. Do anything with this except get it back to Jessie. C'est qui Jessie? Pourquoi y a personne qui me dit il est où? Toi t'es qui mon petit Chris? Voulez-vous récupérer vos œufs en or? Non, nous pouvons les garder pas. Les mettre dans le festiciel. Trop de ces œufs mènent à la même place, et bien ça a fait beaucoup de... D'or, non. Trop de poids. Kilogrammes. Ça se met carré, exactement. Ouais, j'avoue, il va me faire galérer. Bon, à plus tard, vous deux. Place your offering into the bowls of enlightening. Sorry, I cannot handle. Hey, Father. For third. I'll let you get back to work. Stay light. Bon, ce qu'on va faire, il y a un autre personnage qu'on n'a pas encore utilisé. On va cliquer dessus. Gros bâillement. Hey. Salut. Le beau fistin. Allez, lève-toi, j'ai presque fini mon service. Oups. La voilà, bonne journée, Shay. La voilà, mon petit ange en sucre. J'ai encore sommeil. Mais il faut que mon petit passionnant d'amour se lève. Oh, j'espère que les fées du pipi n'ont pas mouillé ton lit cette nuit. Désactivation.
Allez, lève-toi, chez tout plein d'aventures nous attendent aujourd'hui. Debout, monsieur le grand garçon, je lance son pas sympa. Très bien, tu l'aurais voulu. C'est un bon garçon, ça. Allez, on va nettoyer la crasse de ton petit corps. Et doucement. Ne fais pas attendre timide, j'ai changé tes couches. Bonjour. Choco Rocket. Burt, c'est un nom alors. Cinnamon, plutôt bouffer un insecte. Miel hologramme. Non, merci. Connébulant, ah, ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'aiderait tout à l'heure. Bonjour. Oui, tu ne regrettes pas, commandant. Ça repart comme en 2040. Ça y est, les grands moments. En fait, j'essaie non seulement à manger, mais aussi des infos nutrition et des encouragements. Par exemple, ta dernière QET faisait exactement 7 calories. Oh oh. Commandant, tu n'as pas envie d'aller voir ce qui se passe sur le pont? Non? Oh, eh bien, ben, tu veux connaître la viscosité du lait systémique ce matin? Synthétique, plutôt? Bon, alors, c'est quoi le topo? Tu pourrais m'appeler maman, mon trésor. Tu pourrais m'appeler capitaine. D'accord, capitaine, mon trésor. Passons aux choses sérieuses. Nous faisons face à plusieurs crises potentielles qu'il faut résoudre. Une énorme avalanche a été signalée sur la planète Galactica. Un train sans conducteur fonce vers le canyon aux 1000 pics dans le système 7. Nous avons également reçu un appel de détresse du vaisseau Gros Bisou qui est attaqué. Oh, flash spécial. Mes capteurs indiquent qu'une entité d'origine inconnue est fixée à la coque de notre vaisseau. Quels sont tes ordres, mon capitaine? Il faut délivrer une lettre. En étant le train fou, il faut défendre le gros bisou. Je vais sortir examiner le corps étranger. Oh, ça me plaît. Bien de sortir. Prends ta combinaison de sûreté. Allez, quoi? Je suis hors du vaisseau. Le corps étranger doit être tout proche. Je joue tous mes jeux sur Xbox Series X. J'ai trouvé l'objet. Il semble être de nature organique. Quelque chose me dit que je devrais approcher mon visage. Couchez, couchez, fort. C'est un cadeau. Je t'ai préparé une pâte nutritive spéciale. Je l'ai eu jour 1, moi. J'étais chanceux. Prêt pour de nouvelles aventures spatiales, mon poussin? Une avalanche? Un train fou? Un vaisseau attaqué? Un objet mystérieux sous la coque. Arrêtons le train fou. Bien, capitaine, mon trésor.
Capsule System 7. Le système 7. Et là, le pont est levé, on va s'écraser dans le canyon aux 1000 pics. Horreur, la garde barrière s'est endormie. Ah ouais. Surtout qu'on doit pouvoir éviter ça facilement. Personne aidé, si seulement on pouvait réveiller la garde. On se réveille! Il a baissé le pont! Quelle bonne idée, il est ingénieux, il est débrouillard! C'est un meneur né! Merci, grand héros, il faut fêter ça! On va faire la Laura! Oui, faisons la Laura! Merci pour ton aide. Tu vas adorer cette pilule de nez. Pas nutritive frites. Quelle mission veux-tu faire, mon trésor, aujourd'hui? Il faut aider les victimes de l'avalanche. J'étais sûr que tu allais les aider, mon trésor. Au secours, à l'aide, par pitié! Je ne sens plus mes orteils! C'est ça l'énorme avalanche? C'est pire que ça en a l'air. Ah bon, comment ça? C'est une. Une avalanche de crème glacée! Hourra! C'est quoi, c'est pire? Ne vous en faites pas, je vais vous sortir de là. Nous le savons. Nous avons foi en toi, chez. Allez, mange toute ta crème. Attends, attends, ce n'est pas une course. Hourra! Quelle idée de génie! Regarde ça! Quel courage! Une heure plus tard. Nos aventures t'attendent dans tes rêves. Tu sais, un jour sans problème grave, c'est un jour, un bon jour. Allez, la belle au bois dormant. La journée est chargée, allez, mon trésor. Choco Rocket. Ok, comment ça a changé quelque chose? Ta salive présente un déséquilibre de pH de 0,001. Je te conseille la panne nutritive au blé complet. Quelle mission veux-tu faire, mon trésor? Il faut défendre le gros bisou. Je ne comprends pas comment on peut attaquer un cétateur à petit chéri. Je suis à bord du vaisseau en détresse, gros bisous. J'ai trouvé un membre de l'équipage. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été attaqués. Par un vaisseau ennemi? Ou un alien? Ou bien vous êtes entre attaqués, puis par le mal de l'espace, c'était oui. Une attaque de câlin. J'ai préparé une pâte nutritive spéciale. Goûte pâte sautée. Ah, merci. Quelle mission veux-tu faire, mon trésor?
Il faut que j'échappe à la routine. Pourquoi pas retourner au donjon des bisous? Faire un tour dans l'espace. D'accord, mais attention, corps étranger sur la coque. Ouais, ouais. Complètement décalé. Ouvre-toi. Mais cette fois, plus. C'est ça que c'était? Tu vas adorer cette pilule de dîner. Pas de nutritive des frites. Here we go again. Pourquoi pas retourner au donjon des bisous? Tu sais, si t'as besoin de chaleur humaine, je suis là. Hein? Ah, ah, c'est vrai. On peut cliquer soi-même, j'avais oublié. Allez, un chiot. Encore un robot Gary, la grippe. Vivement que je le mette à ma poubelle dans ma collection. Gary n'aime pas les câlins. Je n'ai pas envie de m'asseoir dans cette pouffe. C'est comme un bidon. Quelle surprise. Faut essayer pour être fixé. J'ai pas envie de m'asseoir dans ce pouf. Encore des commandes bidons. Fake controls. Commandes bidons, quelle surprise. Bon. Hey, réveille-toi. Nous avons... Ouais, ouais, brève un peu. Quelqu'un est impatient de faire ta câlinée. Non, c'est juste... Il est temps que l'héros fasse dodo. Espace, toujours l'espace, pas vrai? On se retrouve ce soir, fiston. Qui veut un bon petit déjeuner? Yikes! No way. I think I'd rather eat a bug. Honey holograms. No thanks, computer. Nappy lumps? Yuck! You know I hate that. Soylent dreams. No, not in that kind of mood today. Crispy bunches of space. Man, that sounds horrible. Brain blasters? C'est toujours mieux que mourir de faim. Better than starving, I guess. Plus lentement, tu vas t'étrangler. Quelle mission veux-tu faire, mon trésor? L'avalanche des kilos. Très bien, gagne un peu. Car sur la planète Galactica. Tu ne veux pas le croire, mais il y a une autre avalanche de crème glacée. Yeah! Mec, je les frapperai tous les deux. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ces gens pris dans l'avalanche?
C'est plutôt la glace que je dois manger, pas terminer la mission. No, Gary is worried it might start an avalanche if he grabs that. J'adore la glace, mais j'ai comme le vitrier mastic. Et alors, qui aime la glace? Je vais te préparer une petite pâte nutritive spéciale. Je sais pas trop ce que c'est. Quelle mission veux-tu faire, mon trésor? Je parie que si je pars en vrille pendant une mission, ça changera tout. Va pour le pseudo-déraillement. Je te vois faire et j'aime ça. Capture le système 7. On va s'écraser. Mais il va pas les sauver. Pardon, mon chéri, tu as dit réveille les gardes barrières, mais quelle riche idée. Je sais pas combien de temps je tiendrai. Si seulement il y avait un génie héroïque à bord. Hélas, il n'y a que nous, les orphelins. Hey, je tiens, lui, en arrière. Tu peux lâcher, je prends la suite. Je ne lâcherai pas tant que le pont sera levé. Pas levé. J'ai un gars eu la grippe, si vous avez du mal à agripper ça. J'ai la grippe déjà, occupe-toi de réveiller les gardes barrières. Elle ne peut pas l'atteindre, mais il doit suffire d'appeler le gardien pour le reprendre. Surtout ne lâchez pas. Merci, grand héros, il faut fêter ça. On va faire la Lola? Oui, faisons la Lola. Merci pour ton aide. Tu vas adorer cette pilule de dîner. Quelle mission veux-tu faire, mon trésor? Sois optimiste, chaque jour est une nouvelle chance de mourir dans un train fou. Ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse de quoi dans le pseudo-déraillement. Je te vois ferré, j'aime ça. Alors, chérie, tu m'as dit réveille les gardes barrières, mais quel. J'avoue que ça part, il y a de l'air tanné. Tu m'as lâché à un moment donné? Je ne sais pas combien de temps je peux tenir à ça! Si seulement il y avait un
got a grabbing Gary, if you guys need help grabbing that. I'm already grabbing it! You just wake up the fridge man! I'm going to have to let go in a second! I don't know how... You can let go now. I got this. I'm not letting go until that bridge is down! If only there were a heroic genius on the train! He is just dying to grab some. J'ai envie d'occuper quelque chose. You can let go now. I got this. I'm not letting go until that bridge is down. Man, he is just dying to grab something. Tu veux grabber quoi? I can't hang on for much longer. Gary can't reach that. But if I just yell at the bridge man. Wake up, bridge man! Oh! Je l'ai eu! Où avais-tu la tête? Tu aurais facilement pu nous sauver! Il devait avoir ses raisons! Tu t'amuses bien? Hein? Qui es-tu? Quand les jeux ne s'amusent plus, quand tu seras prêt à affronter le danger, retrouve-moi. Mais, ne préviens personne, tu comprends? Oui, mais... Personne. Attends! Il n'y a pas de mais. Tu te reposes au lit jusqu'à avis contraire. Yeah, tout va bien, c'est évident. Tu as peut-être une fracture à retardement. Cela peut arriver. Non. Toutes les missions sont annulées. Une fracture à retardement. Je t'aime. Oui, c'est ça. Au renflement. Bizarre. Pas de mission, je peux faire ce que je veux. Une sorte de petite tournevis bizarre. I don't see any of those weird little screws there. It's a tank of compressed air. Un réservoir d'air comprimé, ça peut être utile en cas de pépin. Yeah, right. Like we have those. En même temps, ça sert à rien. It's locked. Verrier, quel vacarme. Hey, que fais-tu hors du lit, Terra? Je suis ton prisonnier ou quoi? C'est pour veiller à ta sécurité. Tu n'as pas idée de ton importance chez... Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est quoi ça? It's a tank of compressed air. Un réservoir d'air comprimé, ça peut être utile en cas de pépin. In an emergency. It looks like a weird little screwdriver. I don't want to open it. That would let all the air out. Missions canceled. Jusqu'à avis contraire. Oops. Missions canceled until further notice. Whoops. Ça. Elle dit que c'est un humidificateur, à mon avis, c'est un appareil de contrôle mental. En tout cas, il ne marche plus, j'ai enlevé son alimentation. Je ne vois aucune partie de vis, c'est bizarre ici. Non. Oh, là! It
Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Ouais, mec, on va le gonfler avec ça. Ce réservoir d'air suffira peut-être à gonfler ce canot. Ah, on dirait une poupée gonflable. Oh, je vais le mettre dans le lit. De moi, trop flippant. J'espère qu'il me ressemble assez pour tremper ma gardienne. Allez, rentre là-dedans. Où est mon petit ange? Ah, le voilà. Quand je pense que j'ai failli te perdre. Dors bien, petit héros. Qu'est-ce que ces crétins ont une intelligence artificielle? La vache, comment ça se fait que je n'ai jamais vu cette partie? Tu es donc venu parce que tu en as assez des jeux d'enfants. Oui, qui es-tu? Je m'appelle Marek et ce que je vais te montrer n'a rien d'un jeu. Pendant que tu dérivais dans l'univers à manger des glaces et jouer au petit train, la galaxie est un proie à la guerre. La guerre entre qui? Entre les forces que toutes les guerres opposent, puissants et faibles, tyrans et innocents. Mais qui? Quelle importance? La guerre existera toujours. Nous ne l'avons pas lancé et nous pouvons l'arrêter. Mais nous ne pouvons protéger les faibles et sauver les innocents. Regarde ce signal de détresse que j'ai reçu, une paisible colonie dans la nubulance du rapace. Les créatures sans défense que tu vois ont été asservies par des forces tyranniques et risquent l'exécution. Mais oui. On doit les sauver. Oui. En effet, je suis heureux de l'entendre dire. Il faut qu'on avertisse l'intelligence artificielle, non? Personne d'autre à bord ne doit savoir ce que tu viens de te dire. Ce vaisseau n'a qu'une seule fonction, assurer ta sécurité. Oui, j'ai cru remarquer. Pour aider ces créatures, tu devras courir des risques. Elles ne comprendront jamais. Non, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, tu as raison. Nous rendre sur place. Prends cette carte stellaire et va dans la salle de navigation. Je vais te donner une oreillette pour rester en contact avec moi. Utilise ce conduit pour ne pas être repéré. Quand tu auras réussi, reviens me voir. Mais, vite, jeune loup, le temps nous est compté. Dommage que c'est pas une fille. Je comprends pourquoi tu dis ça. Il est temps de sauver ces pauvres créatures. Ne touche pas tant que je ne t'aurais pas dit. Pardon, je l'ai frappé moi-même, forcément. Je suis un peu papa poule. Il a tout fait l'endroit de caméra. C'est pour ton bien. Ah, le jeune maître vient jouer avec les Tissespace. Où allons-nous aujourd'hui, sage commandant? Mais c'est alors une vraie mission ce coup-ci. Quel pied? Un peu de sérieux, Shay. Concentre-toi. Tu entends tout ce que je te dis? Oui, oui, évite de faire des réflexions déplacées. Salut, Tissespace. Si on allait quelque part de sympa pour changer, je suis programmé pour ramener le jeune maître partout où il souhaite. Tant que cet endroit soit
et loin de tout conflit. Mince. Apporte-moi une carte stellaire et je te tricoterai un tissu de l'espace-temps pour t'amener à bon port. Je viens de réaliser que tantôt, le Jesse, là, c'est lui qui a tombé en bas de l'arbre. Donc, il faut fouiller dans la carte de nouveau pour essayer de le trouver partout. Salut, Tis, espace. Tu m'amènes à cet endroit? Aucun problème. Préparation du mécanisme de décryptage. Initiation du moteur de transmécanique. Jauge d'admission positionnée. Filopropulseur, viscosité nominale. Vitesse de rotation du fuseau atteinte. Déploie de la navette écharpe dans 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Nous y sommes. Bon séjour et surtout prudence. Regardez la porte est verrouillée. Si je donne une carte stellaire au TIS espace, et TIS sera le motif de destination sur cette hache. Ok, et. If I give the Space Weaver a star chart, he'll weave the destination. I don't think the air would stay. Agrippez la grippe. Regarde, je ne peux rien faire d'autre qu'agripper des trucs. Bon. Gary ne veut pas agripper ça, il n'aime pas la texture synthétique. Bon, qu'est-ce que tu me dis, toi? Salut, TIS Espace. Si on allait quelque part de sympa pour changer, je suis programmé pour amener le jeune maître partout où il le souhaite. Tant que l'endroit est sûr et loin des conflits, blablabla. Apporte-moi une carte stellaire, je te crée un tissu de l'espace-temps pour me t'amener à bon port. C'est pour déverrouiller. Tu ne dois pas te faire repérer. Tu ne peux pas passer par les coursives. Ok. On a dû atteindre la nébuleuse. Au travail, genou. La source du signal de détresse n'est plus très loin. Sauf coupé. C'est pire que ce que je pensais. La bonne nouvelle, c'est que leur geôlier ne les surveille pas pour l'instant. Qu'est-ce que je veux faire? Tiens, prends ces commandes. Tu dois baisser le bouclier pour pouvoir faire descendre les bras. Vas-y, fais-le baisser. Je comprends pas. Mais maintenant, attends que le bras soit juste au-dessus. Au-dessus du sujet et appuie sur le bouton pour la gripper. Ah, ici. Je l'ai, bravo, chez. Les bras vont maintenant le remonter et le placer dans la soute auxiliaire. Je vais voir si elle va bien. Non, elle doit rester en quarantaine pour son bien et le nôtre. Nos maladies risquent de le tuer, c'est ça? Tu es sage pour ton âge, jeune loup. Nous devons en sauver d'autres avant le retour de leur goélier. Utilise la commande pour positionner. Positionne le vaisseau de façon à gripper une créature avec le bras. Je suis un dieu, chauffe tout le monde. J'en ai un autre. Parfait, remonte-la dans la soute et oh misère. Qu'est-ce qu'il y a? Des ennemis ont été détectés à proximité. Ils s'approchent. Il faut battre en retrait. Pas encore. Il en reste une à sauver.
Patin, nous devons fuir immédiatement, sous peine d'être détruits. Non! Tu m'avais pas dit que je déciderais de la vie de ces créatures. Tu veux être adulte? Habitue-toi à faire des choix difficiles. Pas le temps de pleurer, il y a un signal de détresse. Celui-ci vient du système danger 5. Tu es d'attaque? Shay, es-tu maître de tes sentiments ou sont ceux qui te dominent? Donne-moi la carte stellaire. Salut, si ça s'espace, tu m'amènes à cet endroit? Rien de plus facile pour le Tissus Space. Préparation du mécanisme de décryptage. Initialisation du moteur. Jauge la mission positionnée. Low propulsion, viscosité nominale. Vitesse de rotation du fuseau atteinte. Déploiement de la navette écharpe dans 5, 4, 3, 2, 1, boum. Inutile d'applaudir, je ne fais que mon travail. Bon, nous devrions être dans le système danger 5. Oui, ça oui, regarde. Excellent, mise en quarantaine dans la soute. Beau travail. On ne peut pas t'aider à sauver ça en le cœur du loup. Bien, mais fais vite, le temps passe. Go on, move the ship. Just push the button. Dang. That's okay. Try again. Okay, that's enough. Bien, ça suffit. What do you mean, that's comment ça, ça suffit? I mean, oui, les vaisseaux ennemis approchent. Je ne vois rien. Je veux sauver la dernière. Tu vas compromettre toute la mission pour sauver une seule créature? J'en ai pour une seconde. Nous perdons notre temps. C'est inutile. C'est juste une créature. Nous avons sauvé bien assez. Je l'ai, mais il y a un truc de pas normal. Relâche-la, il faut battre en retrait avant. Allez, notre vaisseau attaqué. Qu'est-ce que c'était? Sans doute un des vaisseaux ennemis dont je te parlais, tu te souviens? Il faut sauver la dernière créature. Trop tard, le vaisseau est passé au pilote automatique. Il se replie en lieu sûr. Et pas moyen de reprendre la main sur les commandes. Comment on fait pour la prochaine mission? Il va falloir trouver un autre moyen de pirater les bras de chargement. Sans oublier d'abaisser les boucliers au bon moment. Et qui sait si nous y arriverons à rejoindre le bon système maintenant que le vaisseau est en alerte rouge. L'intelligence artificielle du vaisseau doit être... Ah oui. Dès que l'alarme a résonné, elle a dû commencer par aller te voir dans ta chambre. Ah!
Chéché, tu es blessé? Ouf. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Quelque chose a attaqué le vaisseau, mais maman s'en occupe. Il n'y a rien à craindre, d'accord? Quel brave petit. Piouf, je retourne voir Marek pour connaître son plan. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Broken Age, live, sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!